Grappé. Fabi, viens ici. Bonsoir. Oui, bonsoir. Moni grappé na Kinshasa et salut au boni. Ouais, c'est un artiste, un amour à l'histoire. C'est bien parce que là, ils sont à la frontière. Quoi. Ah oui. Ils sont en train de se faire avec beaucoup d'amour et beaucoup de plaisir. Polémique, ils ont trop d'internet. Par grand-père, ils sont des artistes. Ils sont en train de se faire avec les gens. Ils sont en population de se faire avec les Madame la ministre Alba qui peut-être bon pour faire toi et faire une confusion, genre on va faire une sensibilisation. Justement, on a compris que vous allez, il y a aussi la sensibilisation. Les affaires qui ont profité de l'amour de l'autre. Les alliés, un sujet linéaire, alliés l'autre en promo, c'est vrai. Mais les alliés, plus proches d'un gouverneur, voilà, qu'on le voit, bah, voyez, bon, si la communication profite pour les sachets de l'amour, les affaires. Au plus que les alliés qui ont plus grande finalité, il faut nous rendre compte, même si l'autre parle, parce que l'on va en parler. Donc, tout le monde a beaucoup d'amis, sauf que, par contre, ça, il va dire, c'est A ou A, ou il va travailler dans la vie. Alors que va pas ça. Mais là, on souffle les salaires qui ont été au bâtiment.
Le temps où il y a tout le monde à Congo, il y a toujours un numéro 1, M. Bakayoko Ahmed. Je vais vous parler de M. Bakayoko Ahmed. Oui, ça va être une question banale. Tout le monde est tombé de l'eau, tout le monde est tombé de l'eau. Tant qu'on a coupé Faki. Willy Kaim de le vrai frère. Christian Gambin Bonikamba. Kanga terrain. Déjà disponible. Amour à Mama Kambo. Love à Mama Kambo Sele. Mama Kambo Seigneur. Amour à Mama Kambo Ebele. Mama Kambo Sire. Mama Kambo Seigneur. Journal international de la femme. Yango chez Djonga Denga Nantaba. Babongi Selbino, 3 jours de fête de la femme avec Bartiste et Adin Fouaté. Na programme, Lokola Mokolo est vendredi 11 mars 2022. Bokozo artiste et musicien. Suzuki Luzubu, 4x4. Et l'ongona groupe Naye, Bako Sepel Sabino, Ozako Lia, Ozako Mela, Pe Ozako Bina. Le vendredi 11 mars 2022, chez Djonga D. Venez savourer la bonne musique et puis bonne fête à toutes les femmes parce que les femmes, on va les honorer le vendredi. Et mon collègue samedi 12 mars 2022, Bokozwa CNN Alligator et l'ongona groupe Naye, Oyo Bako Sepel Sabino, Nabanzembo ya Kitoko. Journée internationale des droits de la femme. Alors, ba maman, bino ba tubozali à l'honneur. Botina ba texto na bino, Banzembo bino bolingi, Toyembe la bino Banzembo, selon choix na bino. Dimanche 13 mars 2022, Sombele Souka Bisanga, Bokozwa, Emily Alias de Mingongo, La Voix qui cloche, et Longona, Wenge Poussala Tofanda, Bako Bini Sabino Barumba ya Solo Solo, Peba Danse ya Elengi, Ozako Lia, Ozako Mila. Chez Djonga Denga Nantaba, adresse Zaka Kase Moko, numéro 12, rue Puy Dixme, 94 310. Orly, Oza Mobimba, Nakati à Paris, paix au vivre événement. Poche Djonga Denga Nantaba, Yangonde Moboko ya ambiance, Nakati à Paris. Non, bah supporter Bagangi. Balobi to bosa na teli sali si fête o tie koli lelo partout dans le monde lobi na ngoba zui o tie lelo na Paris lobi na kine ba zui o tie na Paris mouta tazina zui o tie bolo babi ema meya li sali si fête ya yemei ema meya o tie koli lelo lobi to zui to yeba Valeria ema meya siya o ya linga vu de loin tinde langa na li sali si fête o tie lelo lobi na zui ayuna bana mokili mobimba bana Afrique du Sud bana Paris donc 5 continents nyonso bobanga te so monika agence fret ou eza ya fondation de sales ya ema mea tchabiloko lelo lobi ozui ah ema mea quel miracle quel miskit tala kosia photo pesio biso na sapuna fret na biso tuke na markade na statorus ema mea fondation de sales fret tuke tutie biloko na biso wana tukuzwa yango nene tutieri yango nene pe tukukutila yango ndeko zana conscience ya fret fondation ema meya tia biloko na yoko na ukuzwa yango na kisasa ukuzwa yango partout ukuzwa pe na poto uti na amerika ukuzwa na amerika uti hier na france ukuzwa pe partout uti na congo ekeni na poto uti kuna ekuzwa makaka ema meya fondation di salis tantôt ça bino fondation pour bango ba bandana biso na fondation depuis kala ti lelo to komi ba immeuble azaka kawana na biso to ebino emameya fondation fret ofret ta kabilo kono wapi koti sa kabilo ko wapi sa ba 2 ans 3 ans point koma olembi mais awa nde makambu bata ba nde to zo linga po makambu eke nde liboso o che bilo kone lelo o zwi lobi o che lelo o zwi lobi nga la komanda ki net na nga lobi lelo na zwi yango na lati awi to za musika te na France na rimarkade
bana château rouge va ma combinaison le bela bana château rouge va ma combinaison le bela biso et ratakate frété biloko le mitu kalonde ngolingi frété yango biloko na yo frété ah frète a plus mbongo mke biloko ebele ah et ma mère à fondation lisale si frète yonde makambi. Épicerie exotique toute l'Afrique chez Glody vous offre l'alimentation bio en provenance de Kinshasa, la République démocratique du Congo. Papa zana posa kolia bio, papa zana posa kolia biloko uti mboka, kolia mungusu, nyama ya zamba et autres. Contactez Claudy au numéro 15, cours de Rifi, 65 000 Tarbes. Pour la première fois sur Haute-Pyrénées, Banaya Toulouse, Banaya Allemande, Banaya Belgique, Banaya Suisse, livraison au premier niveau. Makambo ya kokende Château Rouge à Boupia. Contact et réservation au plus 33 07 58 29 62 88. Exotique toute l'Afrique chez Glody, c'est la meilleure, c'est la qualité, c'est la compétence. Exotique toute l'Afrique chez Glody. Bonabo pikiliki bonjoto. Caillou et comme ça, papa cowboy est fatigué. Maman bima mon pépé. Papa qui fait le premier round a comme il ronfle le col angoulou à Mélis Savon. Solution et mon ami est pas y a toute l'Afrique. Chez Claudie. 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 Merci Madame la Commissaire Générale. Je passe la parole à Madame Imoxi pour la deuxième question. En tant qu'un financeur, est-ce que vous avez déjà fait le positif dont on peut parler aujourd'hui et qui justifie votre présence à vous? Rebonsoir. En tant qu'un financeur, je pense que je pose beaucoup d'actes humanitaires. J'ai une fondation, la fondation Edoxiao. Je fais très souvent des dons à l'orphelinat et je pense que ça, c'est un. Ce sont des choses qui sont très importantes. J'ai fait aussi des dons dans les maternités. C'est un grand impact. Quand aussi il a sa fondation, son manager va le prendre pour lui. C'est ça. Donc, j'utilise mon influence à bon escient. Ce n'est pas juste pas mal sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses derrière. Merci. Merci, Madame Edoxi, Monsieur le Manager. Oui. Merci d'abord. Et camper les actes, camper tout le temps les actes positifs. Que ça concerne l'éducation. Et chaque année, camper offre des matériels de l'éducation à les différentes écoles
de la région, de son pays. Et sa fondation aussi fait des dons à chaque moment. Et Grampé soutient des personnes à l'état physique comme lui. Et je vous ai si bien dit, Grampé prépare un projet de construction de son orphelinat. Déjà, on a le terrain qui a au moins 5 hectares et le projet est en place. On a déjà les raquettes et on travaille sur les fonds pour la réalisation de ce projet. Et la pose de la première pierre de ce projet, ça sera en décembre, le 24 décembre. Donc voilà les actes positifs de la Fondation. Merci beaucoup, monsieur. Une question. Merci. Moi, j'ai une question à madame la professeure. L'arrivée du Grampé a été une protection terrible dans la ville province de Kinshasa. Et ça, ça va comment ça se déploie avec beaucoup de critiques et dans notre pays, et dans notre pays, province de Kinshasa. Et puis, pour Grampé, à très bientôt, ça sera la sortie de votre monde, de votre pays. Et donc, si à votre pays aussi, pour faire plaisir à votre rôle, on peut attendre aussi et aussi, il y a un autre amour. Madame, excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter juste le début de votre question parce qu'il y a un mot que je n'ai pas bien compris. Madame, dans notre part, il y a beaucoup de critiques concernant l'arrivée de Grampé ici dans la province de Kinshasa. C'est sûr que je suis en train de poser cette question. Comment vous en sortez-vous avec beaucoup de critiques? Parce que vous êtes en train de présenter le gouvernement de la République de Kinshasa, Jean-Thierry Kobila Mbaka. C'est un plaisir. Merci. Donc, je voulais savoir comment nous en sortons. Le gouvernement de la ville de Kinshasa avec beaucoup de critiques suite à l'arrivée de Grampé. Mais ce que je pourrais vous dire, c'est nous sommes en démocratie. Chacun peut s'exprimer selon son ressenti et sa compréhension d'une situation. Ce que vous posez comme question est en parallèle avec ce que la première journaliste avait posé. Et je dirais que tout est parti du mot Bopeto. Les Kinois ont interprété cela comme Grampé venait sensibiliser la population congolaise. Et c'est pour ça que j'ai précisé, nous n'avons jamais parlé que Grampé est venu avant sur la situation du gouvernement pour venir sensibiliser. Et je me mets à la place des Kinois. Je serais tout aussi indigné de dire. Est-ce que sur les 15 millions d'habitants de Kinshasa, il y aurait personne qui pourrait sensibiliser ici? Donc je comprends. Mais ce malentendu a fait que la toile s'est enflammée et nous sommes là. Nous, connaissant le contexte et la situation, bon, on était un peu surpris, mais en général, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons analysé notre communication. L'affiche qui vient de nous, on ne le renie pas. Mais peut-être qu'on aurait dû présenter les choses autrement. Pas retirer le nom, le mot Bopeto, non. Mais au moins, en préparation de son arrivée, en parler avant. Je pense qu'on n'en serait pas arrivé là. Merci madame. Question bien entendu, cette question en rapport avec le climat qui a régné sur. Je réponds à la question. Oui, merci. Grampé a déjà un morceau avec sa femme, qui est un album. On a même fait le morceau à Guinée, et c'était en décembre. Et on a partagé les vidéos sur les réseaux sociaux. Et le son sortira sur son album humanitaire.
Allô, c'est bon. Bonjour, madame la commissaire. C'est France et moi, Café Califo. J'ai une petite question pour vous. Je voulais savoir comment la ville de Kinshasa a préparé de sa manière aussi la réveille des grands pays de Sino. Côté artistique, la ville n'a pas prévu quelque chose pour les artistes congolais et grands pays, d'abord le pays de Sino. C'est la question. Alors, pour grands pays de Sino, vous pouvez nous parler comment votre relation a commencé. Comment votre relation a commencé. Merci. Madame, la ville de Kinshasa reçoit un grand prix. Côté artistique, la ville n'a rien fait pour les artistes ici, c'est ça. Je voudrais, je tiens à préciser, et je pense que vous avez entendu ce que le manager a expliqué par rapport à leur voyage. Il est vrai que nous, la ville, à travers le désir du gouverneur, nous représentons pour accueillir le grand pays, mais au départ, son voyage est privé. Dans le cadre de son désir de venir même voir Kinshasa, parler de sa fondation, parler de son album et tout ça, et surtout contacter les artistes congolais pour pouvoir faire des featuring. Il n'est nullement question pour nous, la ville, d'organiser comme aujourd'hui on a fait la conférence de presse. C'est important pour que le pays sache qu'il était ici, mais à côté de ça, c'est en off, on le met en contact avec les artistes. Lorsqu'il nous demande Kofi, on appelle Kofi. Lorsqu'il nous parle Inos, on lui présente, on l'emmène vers Inos. Ça c'est maintenant dans notre relation, tout on ne met pas en avant. Par contre, lui, il en parlera et certainement il mettra cela sur ses réseaux sociaux. Ça, c'est sûr. Notre rôle aujourd'hui, ce n'est pas d'organiser un grand public d'une rencontre des artistes congolais et de Grand P, mais par contre, de le mettre en contact, c'est sa demande. N'est-ce pas, monsieur le manager? Bien sûr. Merci, madame. Alors, la deuxième question est aussi. Grand-père, parlez-nous de votre relation. Et tu veux savoir comment vous êtes rencontrés. Qui a commencé qui? C'était quand? Moi, après le voyage au hôtel, j'ai venu, j'ai trouvé en bas, puis, enfin, venu, sans consentement, on s'est jamais dans la vie. Il veut dire par là, le jour où il a vu l'image de lui d'Oxy, donc il était vraiment fou, avec la forme, il va dire Alpha, vraiment, la fille là, je le veux, car chacun, même moi je ne vais pas avoir une comme ça, il dit non, je suis prêt. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci, c'est après quand je suis entré en contact avec Oxy. Et c'était à l'occasion de son premier album. On a invité Edoxy à venir à dîner. Et voilà, le mouvement est parti. Depuis lors, les deux personnes, ils ont un projet de mariage. Voilà. Merci. Je voudrais, s'il vous plaît, une question à passer que vous avez reçue. Il a une maladie qui menace sa physique, qu'on appelle progéria. Donc, sa façon de parler et tout. Et pour la petite histoire, vous savez, Campi, c'est quelqu'un qui est courageux. Pendant des années, il a été marginalisé, rejeté par tout le monde. Mais il a cru en lui, par son courage, et à chaque fois, moi personnellement, depuis à l'enfance, je vois un grand-père dans le quartier. Tout le
le monde se moquait de lui. Mais notre premier rapport, par rapport au travail professionnel, j'étais dans son quartier, il est venu me voir, dire qu'il veut vraiment être un artiste international. Tu veux être une star. J'étais vraiment étonné, vu son physique. Je me suis dit, waouh, voici quelqu'un qui veut se battre pour réussir dans la vie. Étant un homme complet comme moi, je n'arrive même pas à y croire. Donc je me suis engagé à travailler avec lui par son courage. C'est lui qui m'a donné le courage. Et jusqu'à maintenant, Dieu continue à aller. Parce qu'il a peut-être que la vie, c'est la persévérance. Merci, monsieur le manager. Je suis une femme fidèle. On peut même m'appeler fidèle. Je pense que la question là, c'est un grand peu qui devrait poser la question. Est-ce que grand père est fidèle? Des fois, il vous touche derrière, par vos pouces derrière, parce que c'est ça votre force, c'est ça votre puissance. Mais on n'a jamais senti en amoureux, un câlin, un gros bisou, je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment une réalité que vous êtes en amour, ou c'est un deal que vous avez fait, on s'en rapporte de l'argent, ça nous fait du buzz, et puis on est aujourd'hui à une certaine. Donc, ce que je veux savoir pour vous, deux personnes sont en couple, le fait qu'ils ne s'embrassent pas devant les gens, ça veut dire qu'ils ne sont pas en couple. Sinon que lui au moins c'est déjà embrassé, les gens ont mis la photo sur YouTube partout. Nous sommes ensemble, ça dure depuis 3 ans, c'est pas de l'amusement. Que les gens prennent ça comme le buzz, ça eux le voir, sinon lui au moins c'est pas de l'amusement. Peut-être comme notre physique est différent, c'est pour cela qu'on attire beaucoup de polémiques. Monsieur le manager, il a déjà un album. Si vraiment vous ne suivez pas Grand P, allez sur YouTube, vous allez voir tous les projets de musique de Grand P. Il vient de faire un morceau avec un titre Diafakouli, qui est de son album. Je pense que je vais. Un artiste, c'est d'abord vendre l'image de sa personne et parler de lui. Donc la force de Grand P, c'est parce qu'on a créé. En tant que manager, je ne vais jamais suivre la vie de mon artiste. Je crée toujours pour mon artiste pour que le monde entier parle de lui à chaque moment. Sinon, dans les différents pays, le buzz, ça dure une année, 6 mois. Mais si vous voyez que Grand P, jusqu'à présent, 3 ans successifs, et imaginez, en 3 ans, il y a des artistes qui sont connus sur le plan international. Ils ont fait des années, ils ont au moins 3 millions, 4 millions d'abonnés. Imagine Grand P en 3 ans, il a 6 600 000 abonnés. C'est parce qu'il y a un travail colosse et la structure qui gère Grand P musicalement. Et ne voyez pas sa façon de chanter, ça c'est son physique à lui. Mais il veut prouver au monde entier, l'art n'a pas de frontières. Tu t'exprimes tant que tu veux à ton choix. Donc voilà, et à ta manière. Et voilà l'objectif et la vision de Grand P. Il pouvait être dans la rue, à Kémando, à demander n'importe. Mais il s'est dit, comme c'est la musique qu'il a aimée, il s'engage pour être le messager des orphelins, des personnes démunies. Voici l'objectif. Merci, monsieur le manager.
Avant, dernière question. Épicerie exotique toute l'Afrique chez Glody vous offre l'alimentation bio en provenance de Kinshasa, la République démocratique du Congo. Papa Zana posa kolia bio. Papa Zana posa kolia biloko uti mboka. Kolia mungusu, nyama ya zamba et autres. Contactez Claudie au numéro 15, cours de Rifi,
65 000 tarbes. Pour la première fois sur Haute Pyrénées, Banaï à Toulouse, Banaï à Allemagne, Banaï à Belgique, Banaï à Suisse, livraison au premier niveau. Makambo ya kokende Château Rouge à Boupia. Contact et réservation au plus 33 07 58 29 62 88. Exotique toute l'Afrique. Chez Glody, c'est la meilleure, c'est la qualité, c'est la compétence. Exotique toute l'Afrique. Chez Glody, Bonabo Pikiliki Bonjoto. Caillou et comme ça, papa, comment il est fatigué. Maman, bima mon pépé. Papa, que fait tu premier round a commis qu'on ronfle le col angoulou à Mélisse savon. Solution et mon ami et paye à toute l'Afrique. Chez Glody. Glody. Gouverneur Amoroy a fait la Kinshasa. Cette fois-là, il faut la poche pour que ma pilote va participer dans ma table et amène la Kayoko. Madame le commissaire général de Zavala a été pour la coupe à la Kinoa, la coupe à Congolais et à représenter une coupe à la Cipela qui m'a cassé. Donc, on va se commencer à la table du combat pour moi. Tout ça, la distraction. Juste tout ça, la bâtiment, la bâtiment, la grande PA, la Katamboka. Il y a modèle Lyos. Maintenant, il y a des Manina, Passangan, Bachébamo. Parmi tout le monde, il n'y a pas de niveau. Donc, l'homme qui se trouve dans les villes pour Bangladesh, si vous voulez que ça ait des drogues barrières, pour tout le monde, pour tout le monde, vous pouvez vous aller. Si vous voulez que ça ait des chinois, si vous voulez que ça ait des gens qui ont été en train de se faire, pour Bangladesh, vous pouvez aller les abonnés. Vous pouvez aller les abonnés, que pour vous avoir un objectif, vous pouvez aussi citer la personne d'ailleurs, vous pouvez que ça ait des gens. Modèle autonome fini qui sont mauvais. Il y a pour ça. Si vous le mettez, vous avez un mot à la place de vous. Pourquoi la tête de la bâtisse n'a pas besoin? Moi, je suis sur mon appui. Si vous avez un appui, 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 vous avez un. Alors, il y a un tonicien qui a mis son mot, tout moi discipline mon mot, que oui, il y a mis son mot qui n'avait pas eu, par exemple, avant moi, parce que ça avant moi. Oui, il y a mis son mot, par exemple, avant moi, il y a mis son mot de mots qui vont inviter, par exemple, tout ça en passe. Tout ça en mis à la capitale, tout ça en passe, tout ça en passe. Il y a un message qui a dit ça, pour la recette dans la vie, maman, vous m'avez dit. Son mot, il y a mis son mot, il y a mis son mot. Aïe. Et puis son hôtel, par exemple, qui dégage un politicien. Regarde bien. Ce sont des politiciens. Son hôtel est un politicien. Mais l'élection va vous donner la chasse des années 2009. Son relation de l'élection, c'est la 2009. Pour finir la financière, on dit on dérange pas tout le monde, on dérange le monde, on va déranger le monde. La décembre, la collection de 5, on va aller voir le musicien. Dadjou, Fali, Mouloko, Manel, Batébé. A bientôt, on va cacher les mains. Quand on m'a dit que tu m'as mis dans la 30 000, il fallait m'en mettre dans la 2 000. Au ce soir. Donc, dans cette forme, on va dérouler, 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 on va dérouler. Moi, je suis là, dans Dubaï, il faut profiter de profiter de ma maman, on ne sait pas en quartier. Moi, je suis dans Dubaï. Donc, tu vois que dans Dubaï, tu as fait des alliés au monde entier, expo universelle. Tu vois que les gens ont été passés, ils ne vont pas te passer. Parce que, papa, si tu as mis les 30 mois un pays, parce que. La ligne, tout ça, la part des choses entre passion et puissance, la nécessité de exister, même pour moi, dans la maison. Donc, vraiment, quand même, on va voir la mamie, merci beaucoup. Vous pouvez vous donner un peu de temps. Merci à la mamie. À l'objet de ma qualité, qui est un bon canapé, tout petit peu au bénéfice,
Ah, ok.
Bédenada, bonjour. Bonjour. On est dans la poitrine. C'est naturel, oh. Bon, c'est bon, mais on est sortis. On va faire la visite. Les autres sont où? Ils sont là. Oui, j'ai vu qu'on c'est naturel, oh. Très bien. Ils sont où? Zachary Baba passe le mot là, bonjour. 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 Omoni grappé na Kinshasa et salut Oboni. Ouais, c'est un artiste, un amour qui s'amuse bien parce que il est à la frontière. Quoi. Ah oui. Il est en train de se faire avec beaucoup d'amour et beaucoup de plaisir. Polémique est à trop internet. Par grand père, il y a des artistes. Il y a des bandes, il y a des rabbins. Il y a des populations qui sont à la rabbine. Madame la ministre Alba qui peut-être bon pour faire toi et faire une confusion, genre on va faire sa sensibilisation. Disons, on a comme on a dit, il y a aussi la sensibilisation à Kim Bopeto. Après, ça va être de s'en aller dans ma belle année. Merci beaucoup, Black Live. Mais au Canada, au niveau Batami, aux alliés. Denada, bonjour. Grappé na Kinshasa en tant qu'artiste, c'est salut au bon. En tant qu'artiste, c'est un bien. Tout ce que c'est fait là, il n'y a pas de problème. Le 8, le 9, le 10, nous avons un point noir. Point noir, peut être un artiste. Mais bon, il y a un banana. Donc, je suis très joyeuse dans mon grand pénètre d'Oxy. Sauf que, et donc ça, c'est moi si le coin en a dans ma cambole, ma téponae, mes grands pendés n'ont mis tout là. Est-ce que Zali? On a mon écran en balle. Polémique et Zatron internet. Mais ça, ça a un gros pé. Colobi? Non, mais grand pé. Non, mon balle n'a mis. Est-ce que ça a un gros? Oui, mon aboué. Polémique et Zatron internet. Voilà, mesdames et messieurs, Mathieu Boncher en direct à Cyril Ngya Congo Télévision et pourquoi pas la RTVS. Je suis là en direct de l'IMEDIE. Conférence de presse signée notre gouverneur de la ville qui est Gentil Ngobila. Merci à vous et merci beaucoup à tout le monde parce qu'on est déjà en direct Cyril Ngya Congo. Pour la première fois, Sam Kunku, dans mon grand-père, dans mon Ndoxi. Ah! Bah, au tal, la vision de Kinshasa. Et ça lit vraiment bien. Il y a mon approfité, on a fait sa beauté. On a fait des gognons sur le bateau de l'Arabisso. Et Fox Temaï, notre DG, on a reçu l'interview. Chaud. On a chaud. Ah, voilà. Donc, merci beaucoup. Merci à tout le monde, mesdames et messieurs. Respect. A Yuyu Kabui, qui est au tal depuis Paris. Okay. Merci beaucoup à Tete Naï. Ma Bobo Bank, respect à vous. Merci à Mwabi Tenaï. Et la bonne sanité, ma master tout matin à l'Arabisso parce que l'émission est dédiée par Tetendai et Ngwabi Tendai. Merci beaucoup. Respect à Sam Kunku le nécessaire, Yuyu Kabuiku, et Serge Ngwaba des États-Unis, aux Omona, Kalate Grand P. Et pourquoi pas Topé Sambotena, la joie à Mado Pichuna, femme très très forte, très embosso, les mannequins les plus chers. La bonne sanité, ma master tout matin à l'Arabisso. Bon, je suis là pour bien travailler. Merci à les millionnaires congolais, Arsène Toya. Babo Yabasamboa, Léa Dimbi Mama Social, Mélanie de Londres, et pourquoi pas Vienangaï, Yawili Pensiele, et Bayer de Fonds. Merci à Champion Wadol, et merci à tout le monde. Nous sommes en grand paix, na image, na endorse. Salut Bena bien, parce qu'on est ici pour bien travailler. Merci à tout le monde. Restez branchés toujours. Elenga Congo Télévision avec 001, Mathieu Monche, Patrick Image, ça c'est pour vous. Abi tika mambo,
Oh non. T'es venu. Il y en a tout le monde. T'es venu. Merci beaucoup. Épicerie exotique toute l'Afrique chez Glody vous offre l'alimentation bio en provenance de Kinshasa, la République démocratique du Congo. Papa zana posa kolia bio, papa zana posa kolia biloko uti mboka, kolia mungusu, nyama ya zamba et autres. Contactez Glody au numéro 15, cours de Rifi, 65 000 Tarbes. Pour la première fois sur Haute-Pyrénées, Banaya Toulouse, Banaya Allemande, Banaya Belgique, Banaya Suisse, livraison au premier niveau. Makambo ya kokende Château Rouge à Boupia. Contact et réservation au plus 33 07 58 29 62 88. Exotique toute l'Afrique chez Glody, c'est la meilleure, c'est la qualité, c'est la compétence. Exotique toute l'Afrique chez Glody. Bonabo pikiliki bonjoto. Caillou et comme ça, papa cowboy fatigué. Maman bima mon pépé. Papa que fait tu premier round a commis qu'on ronfle le col angoulo à Mélisse savon. Solution et mon ami et paille à toute l'Afrique. Chez Glody.